Ouais, c'est parti. Ouais, c'était un peu dur au début là. Avec pas de vent, sous les spiguettes, puis là c'est revenu. Là ça y va. Là c'est pas mal. Les rives du Lion sont lancées et plutôt bien lancées. Ouais, mais c'était une belle journée, ça aurait été dommage de la rater. Et en fait, voilà, tout le concept du projet, c'est justement, voilà, quand il y a des belles conditions comme ça, de s'amuser avec un objectif clair. Et là, c'est vrai que Bois-Duc, ben, c'est un peu loin. Mais avec nos engins, finalement, on raccourcit quand même la distance très nettement. Donc on a fait, je pense qu'on a fait trois bons temps, surtout Pierre. Mais par contre, c'est quand même des temps modestes, donc je pense que ça va motiver plein de gens de venir se frotter à ces temps de référence. Il y a des demandes déjà? Ouais, il y a plein de demandes. Bah, le prochain sur la liste, c'est Yvan Bourgnon, nos amis suisses, voilà, qui descendent avec un catamaran de sport, un Acrava. Donc ils sont là la semaine prochaine et dès que les conditions sont bonnes, je pense qu'ils seront... Ils seront ravis, voilà, de profiter de ces belles conditions, c'est génial. Et c'est vrai que c'est assez fantastique, il n'y a personne sur l'eau. Il y a du vent, et puis voilà, c'était vraiment sympa. Et puis je remercie le sémaphore là, de l'Espillette, qui nous a donné un bon coup de main pour chronométrer les départs, là, c'est sympa. Bon, un dernier mot, ça fait du bien, j'imagine, de retrouver la navigation, la mer, des nouveaux horizons. Ouais, carrément, ben, voilà, on a trouvé un nouveau jeu. Voilà, donc c'est bien, cette année 2020 si particulière, je crois que ça fait du bien tout le monde. Bah c'était sympa, c'est déjà super de retourner sur l'eau, ça fait du bien, après 2 mois. C'était intense pour une reprise, on a eu de bonnes conditions, une bonne journée de vent, ça soufflait fort, c'était un peu irrégulier peut-être pour faire le meilleur temps, mais c'était déjà top de découvrir en fait, moi c'est la première fois que j'allais dans ce sens. Vers là-bas et en fait il y a très peu de repères sur l'eau donc c'est pas facile. Je suis parti assez vite au milieu c'était assez irrégulier le vent et à la fin il fallait trouver l'arrivée, c'était rigolo. Doris, pareil, ça fait du bien de retrouver. Oui, waouh, mais quelle reprise là, je sors du confinement, c'est ma première sortie et puis on part pour une griffe du Lion. Et puis voilà, ça tenait ses promesses. Donc pour moi, c'était pas facile de retrouver ces sensations. Par contre, bon, merci Quito hein, d'avoir lancé ça, parce que c'est vrai que pour moi, c'est que du bonheur de longer la côte, de tracer et d'arriver à Bois-Duc. Enfin, c'est magnifique. Content de vos temps ou à refaire encore? Ouais, bah, il faut avoir. C'était vraiment une première, quoi. Il faut voir ce qu'il y a à améliorer. Et puis l'idée, il y a la Tartine Cup et puis il y a la version plus longue qui trotte un peu dans la tête. Donc on va voir tout ça dans les mois à venir. Alors moi, je suis pas contente de mon temps parce que bon, il y a certaines choses qui collaient pas du tout. Par contre, pareil, voilà, c'est un super entraînement. Et puis voilà, à l'attaque du grand parcours, hein, effectivement.